suis ravi voilà, d'être ici au Centre culturel de Tétouan pour ce récital de piano. Nous accueillons régulièrement des spectacles de musique classique ici à Tétouan. Nous avions il y a quelques mois Célimène Daudet au Théâtre Avenida pour un magnifique récital également de piano autour de Debussy, Chopin, Liszt. Et nous avons déjà accueilli Rebecca Chaillot qui est là ce soir dans un précédent spectacle autour à la fois de la musique classique et du clown. Donc c'était un spectacle très original à la fois pour les petits et pour les grands. Là nous sommes dans un récital classique avec Rebecca Chaillot, donc la grande virtuose française qui a dès l'âge de 7 ans interprété les plus grands concertos devant un parterre admiratif, qui a fait des études brillantes au Conservatoire National de Montpellier avant de faire des études à l'université Indiana aux États-Unis pendant longtemps. Elle a été deuxième prix du concours Gershwin avec le concerto en fa. Elle se produit partout en France avec les plus grands, notamment avec des grands violonistes comme Renaud Capuçon que tout le monde connaît. Elle est également organisatrice de festivals puisqu'elle a été directrice pendant 20 ans du festival Pro Musica. Elle a été directrice du festival de Suze-la-Rousse en France. Elle a été directrice de festivals en Tunisie, à Djerba, également en Algérie. Donc c'est vraiment quelqu'un de très impliqué à la fois comme interprète et aussi comme organisatrice de spectacles. Donc un programme de musique romantique qui va enchanter le public, j'espère, nombreux. Voilà. Je suis très heureuse d'être invitée par Christophe Roussin et toute l'équipe de l'Institut français. Ce soir, je vais jouer des œuvres de Frédéric Chopin, les quatre ballades, le rêve d'amour de Franz Liszt et, en deuxième partie, tableau d'une exposition de Modeste Moussorgski. Cette œuvre qui a été écrite après le vernissage de Hartmann avec des œuvres sur des tableaux. Et Moussorgski a été inspiré par les petits tableaux de son ami Hartmann pour composer cette suite de tableaux qui s'intitule « Les tableaux d'une exposition ».